voir la mort emporter la personne aimée change inévitablement la vie et la manière de la voir et de la concevoir. Cependant, lorsque cette personne revient en rêve pour discuter, la confusion s'installe et elle est totale. Aussi, pour vous aider à y plus voir clair si une personne morte vous parle en rêve, lisez ce qui suit. Rêve de parents décédés. Une mère symbolise le confort et l'orientation et si votre mère est décédée dans la réalité, rêver d'elle est une indication que vous vous sentez actuellement menacé et perdu. Ce genre de rêve représente une épreuve dans votre vie qui nécessite les capacités et les qualités de votre mère afin de réussir. Quant au père, il représente le pouvoir, la protection et la discipline. L'interprétation de ces rêves dépend des sentiments et des émotions que vous avez eus envers votre père. Donc, si vous êtes heureux de voir votre père sourire en rêve et parler de choses banales, vous vivez une vie qu'il aurait approuvée. Dans le cas contraire, changez de manière de vivre. Rêve d'être cher décédé. Ce genre de rêve est aussi appelé « visitation », où les personnes aimées qui sont décédées récemment ou il y a longtemps, apparaissent dans vos rêves pour de nombreuses raisons. L'une des raisons les plus courantes de ces rêves est tout simplement que ces personnes vous manquent. En général, ils apparaissent alors que vous êtes encore en période de deuil, et vous vous languissez de leur présence. Il est également possible d'interpréter ces rêves comme un rappel de toujours suivre le bon chemin dans la vie. Vos proches apparaissent généralement dans vos rêves lorsque vous commencez à perdre le fil des choses qui se passent dans votre vie. Cela sert à nous rappeler gentiment de rester concentrés sur vos objectifs. Il s'agit d'une sorte d'avertissement, surtout si le rêve est récurrent. Rêve d'être cher et de connaissance mort et en vie. Rêver d'un être cher mort, mais en vie dans le rêve est une représentation de changement et de transition, généralement positive. Vous recevrez également de bonnes nouvelles et vivrez des changements complets dans un avenir proche. La visite en rêve d'un être cher décédé sous la forme d'une personne vivante montre que quelque chose dans votre passé vous empêche d'avancer. Il peut s'agir d'une situation spécifique, d'un passe-temps ou d'un intérêt, que vous auriez dû ou non faire dans le passé. S'il s'agit de connaissances déjà décédées, c'est une indication de changement majeur dans votre vie. Cela peut également signifier que vous essayez de faire et d'accomplir des projets comme vous pensez que vos proches l'auraient fait s'il était encore en vie. On dit de ce genre de rêve aussi qu'il constitue le reflet des qualités et des émotions que vous admirez et que vos défunts avaient. En outre, il arrive que rêver de parents décédés apporte des messages importants, pour vous ou pour les proches du défunt et notez tout. Rêve de proches décédés étreignant une personne morte. Il se peut que vous rêviez de voir des proches décédés s'étreindre ou que vous soyez témoin de l'étreinte d'une autre personne décédée par vos parents morts. Ces rêves sont leur façon de vous dire qu'ils se débarrassent enfin de tous leurs liens terrestres. Cependant, cela peut aussi être un rappel pour vous d'accepter les choses qui se passent dans votre vie, même si c'est épuisant. En outre, rêver de personnes mortes que vous ne connaissez pas peut porter à confusion. Pourtant, ces personnes sont probablement les visages de quelqu'un que vous venez de croiser dans votre vie quotidienne. D'ailleurs, l'enterrement d'une personne morte dans un rêve représente les choses dissimulées par un déguisement. Il peut s'agir d'une personne, d'un objet ou d'une situation que vous ne pensiez pas devoir laisser partir ou retirer de votre vie. Rêve de personne décédée qui sourit. Notez aussi qu'une personne morte qui sourit dans les rêves a une signification positive et négative. Si vous rêvez d'une personne décédée récemment et qui sourit, cela montre que vous êtes encore en deuil pour le moment. Il vous est conseillé d'accepter la réalité et d'avancer dans votre vie. Si la personne morte qui sourit dans vos rêves est décédée il y a longtemps, cela signifie que vous répondez à ses attentes. Si une personne morte sourit de manière inconfortable, cela peut signifier que vous vous sentez coupable envers elle. Peut-être avez-vous fait quelque chose de mal lorsqu'elle était encore en vie. Si vous rêvez d'une personne morte qui sourit, mais qui est toujours en vie dans la réalité, cela symbolise uniquement votre peur de perdre cette personne. Enfin, rêver d'une personne morte inconnue, qui sourit signifie soit des changements positifs, soit un grave danger dans votre vie éveillée. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.